Qu'est-ce que c'est? Eh, il défonce tout le monde! Arrêtez-vous, monsieur! C'est la gendarmerie, là! Rangez-vous sur le côté! Patrick, sors ton arme! Braque-le, Patrick! Sors ton arme, là. Fais-lui peur, fais quelque chose, là! Eh bien, salut tout le monde! Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les petits potes! J'espère que vous allez bien! Donc, aujourd'hui, les amis, on est avec la gendarmerie, hein, toujours, mais on est avec le PMO. Donc, le PMO, c'est quoi, les petits potes? C'est le peloton motorisé. Donc, en gros, c'est une unité spécialisée dans la sécurité routière, on va dire. C'est eux qui font respecter le code de la route, en fait. Donc, dans le PMO, il peut y avoir la Mégane RS. La Mégane RS, les gars, elle appartient au PMO. Pour faire des contrôles vitesse avec interception rapide. Ça, c'est le PMO. Et là, on est ici parce que le PMO aussi, il intervient principalement, malheureusement, sur tout ce qui est accident de la route. Hein. Et on est ici parce qu'on est à proximité de l'autoroute. Donc le PMO, il est généralement, soit il est collé à l'autoroute, soit il est à proximité. Donc, on va intervenir aujourd'hui sur les accidents, on va faire du petit police route, hein, donc tout ce qui est vitesse, tout ça les gars. Mais je pense qu'on va être pris pas mal par les accidents parce qu'il y a la neige qui commence à tomber encore aujourd'hui. A mon avis, la semaine prochaine, la neige elle va tenir au sol les gars, hein, croyez-moi. Là ça tombe, mais la semaine prochaine, ouais, il y aura de la neige. Donc là, la semaine prochaine les potes, vidéo avec les 4x4, avec le PGHM, le peloton de haute montagne, les hélicoptères, tout ça. Donc les petits potes, là on va partir, mais avant n'oubliez pas, comme d'habitude, les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, hein. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important les gars, abonnez-vous là à la chaîne. Si vous regardez toutes mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, là les gars, faut penser à vous abonner à un de ces quatre, hein. Parce que là on atteint bientôt 91 000 abonnés je crois. Et puis voilà les petits potes, faut s'abonner si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, commentez et puis voilà. Donc, allez, Patrick, il va nous laisser sortir ou pas? Donc là, les gars, si, ça s'ouvre. On part sur un accident. Hein. Accident de la route. Est-ce que c'est sur l'autoroute? Non, c'est pas sur l'autoroute. On ira sur l'autoroute après, les gars, faire du petit contrôle vitesse, tout ça, voir si tout se passe bien. Ah, là, c'est hors autoroute. Bon, bah, c'est dans notre secteur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ok. Hop, oula. C'est cette voiture-là? Oula, bah, attendez, il y a quelqu'un là-dedans ou pas? Ok, donc là, les gars, on va faire les choses. Oh là, attendez, parce qu'il y a quelqu'un. Attends, on va ralentir. Tu vas voir, Patrick. Attends, ralentir le trafic. Attendez, mais. Ouais, mais il est à la manger, lui. Monsieur, est-ce que vous m'entendez, là? Monsieur, c'est la gendarmerie. Ok, je vais pas toucher. Là, je vais pas toucher à la victime, là, parce que. Je vais appeler les. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais appeler les pompiers directs. Faut faire la circulation les gars. Faut faire la circule. Venez là. Attendez, je vais mettre des plots. Là je vais faire les choses bien aujourd'hui. On va prendre des plots dans le Gamos. Ok, heureusement qu'on n'est pas sur l'autoroute les gars là, parce que là sinon ça aurait été le bordel. On va mettre un petit plot ici. Hep hep hep. Oh, il y a des renforts. Mince, comment je fais? Eh, attendez, mais comment je mets les plots? Déploie. Cône. Ok. On va mettre un plot là. Un plot là. Voilà. Et. Ah, ils l'ont sorti de la bagnole déjà? Ah bah attendez les gars, je m'embête pour rien alors, ils l'ont déjà emmené. Ah, ne vous inquiétez pas monsieur, vous êtes... Attends, parce que là, attends, faut faire la circule là pour que les pompiers fassent leur boulot correctement. Voilà. Bon bah les pompiers sont repartis, et on va s'occuper de la voiture, nous en attendant. Attendez, je vais poser ça dans le coffre. Hop. C'est stylé ces petits plots là. Tout à l'heure, à mon avis, on va avoir un accident sur l'autoroute. Là, par contre, ils seront bien utiles. Alors, on va faire une petite vérification là de... J'ai même pas pris l'identité du monsieur. Voilà. Requiesque, véhicule. Alors, qui c'était le monsieur là? Est-ce qu'il contourne bien les plots? Ouais, c'est bien ça. Expiré, la véhicule n'était pas assuré apparemment.
Ah ouais, c'était un individu. Donc, attendez, je vais voir l'individu avec qui j'avais affaire là. Parce que sinon, on va à l'hôpital, on va le chercher, nous. On va aller à l'hôpital si c'est un bandit. Alors, c'était lui. Et le propriétaire, c'était Lee. Ok. Donc, l'assurance, elle t'est expirée. Et la carte grise aussi. Ok. Et du coup, lui. Ok, ça c'était bon. Conduite d'un véhicule accidenté. Ah bah oui, mon avis, c'est celui-là. Non changement de carte grise. Usage du téléphone au volant. Ok. Bon, bah lui, son véhicule, il ira le chercher bah, à la fourrière. Hein. Allez, hop. Je vais appeler une dépanneuse. Et puis voilà, les gars, on est bien là, non? On est bon, les gars, on a tout fait. Vous avez pris les photos, vous avez pris les circonstances, là, les mesures, tout ça. Parce que frère, faudra faire un compte rendu. Hein. On a mis notre petit bonnet encore aujourd'hui, les gars, parce que là, il fait froid. Là, il fait froid aux oreilles. La neige, elle tombe. Il y a zéro, là. Ok, bon, allez. La dépanneuse est là. Elle emmène la voiture. Parfait, les potes. Parfait. On va enlever les petits plots. Ah, je peux prendre un extincteur dans ma voiture, maintenant? C'est quoi ça? Attendez les gars, je découvre en même temps que vous là. Par contre le coffre il s'ouvre pas là dessus. Ah ouais, je peux prendre un extincteur, ok. D'accord. Comment on fait par contre pour les plots là? Mince, non c'est pas ça. Ok, je vais ranger tous les plots. Tous les plots, allez hop, on range. On met ça dans le coffre. Et on décale les gars, allez hop. On décale. On va aller se faire peut-être des petits contrôles de vitesse là, sur l'autoroute. Allez, c'est parti. Si on n'a pas d'autres inter avant. Allez les gars, montez en voiture et on est reparti. Parking, accident. Ah, accident, il y a un accident là. Ok, c'est de l'autre côté par contre. Bon, on va couper, on va couper. On va couper les gars, hop, il n'y a personne. Vous savez que j'ai déjà fait ça les gars, en vrai, pour de vrai. Couper l'autoroute comme ça. Un truc de fou, les gars. Attendez. Ah ouais, mais c'est là-bas. On va se mettre ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, mais il a buté un animal. Attendez, parce que là, faut... Ok, c'est cette voie-là. Aïe, 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 attendez. Parce que là, on est sur une voie d'insertion, ça va, mais... Attendez, là, faut... Attendez, attendez, attendez. Là, faut gérer la situation. On va ralentir le trafic. Et puis, mince, c'est bête que je peux pas demander à mes collègues là de faire la signalisation. Je vais mettre des plots tout le long là. Hop, on va mettre un plot là. On va mettre un plot ici, voilà. Comme ça, on fait les choses bien. Voilà. On va en mettre un là, mince. On va en mettre un ici. Parce que là, apparemment, elle a buté quelque chose, là, la bonne femme. Voilà, on va mettre un ici. Ah oui, c'est quoi, ça? C'est un chien? C'est quoi? Oh, c'est un petit chien. Ok. Alors, bouge pas, madame. Attends, si, est-ce que je peux... Bonjour, madame. C'est la gendarmerie, là. Ouais, c'est vous qui avez appelé, d'accord. Vous avez pas eu de chance, vous avez... Ok. Vous avez... Est-ce que vous avez besoin... Est-ce que vous voulez une ambulance, madame? Non? Ok, bon, bah, c'est bon. Par contre, nous, là, le véhicule, il peut plus bouger, hein. C'est bien ça, d'accord. Ouais, on va appeler les services vétérinaires. Bougez pas. Attendez, madame. Venez avec nous. Venez avec moi, madame. Attendez, qu'est-ce que je fais, là? Faudrait que... Venez madame, je vais vous mettre en sécurité là, derrière. Faudrait vous mettre derrière la barrière de sécurité. Non, on veut pas bouger. Ici. Venez madame, venez en sécurité ici là. Non, bah elle veut pas bouger. Elle veut pas bouger. Bon, bah attendez, je vais ranger mon plot. Je vais ranger mes plots là. Hop là. Je range mes plots derrière. Hop. Et on va s'occuper de tout ça. Allez, viens, Patrick. On va s'occuper de la petite dame, là. Déjà, on va appeler le vétérinaire pour qu'il embarque le cadavre. Parce que là, à mon avis, le clébard...
Il est mal en point. Voilà, donc ça c'est bon. On va vous appeler, madame. On va vous appeler un taxi, d'accord? On va vous appeler un petit taxi. Et votre véhicule, il va être emmené par la dépanneuse. Hein. Par la dépanneuse du coin. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'il fait, Patrick? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le maître chien. Ah oui, c'est le maître chien. What? Mais il a ce véhicule-là? Pourquoi il a le nouveau 5008, le maître chien, là? Ok, donc ça, c'est le maître chien, les gars, qui s'occupe de des cadavres. Ok. Alors, attendez, c'est un peu le bordel, là. Ouais, la femme, elle est partie, d'accord. J'ai plus qu'à appeler, maintenant, la dépanneuse. Ou l'assurance. On va appeler l'assurance, les gars. On va appeler l'assurance, ils vont s'occuper du véhicule. Là, tout a disparu. Bon, là, on est bien, les gars. On est bien. Tout est revenu dans l'ordre, voilà. Une petite affaire qui prend beaucoup de temps. C'est ça le quotidien des gens du PMO, les gars. Un moindre petit truc sur l'autoroute, ça prend des heures. Ok, les petits potes, nous, on est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Ok, donc là, les gars, on va aller faire un petit tour dans la station-service. Parce que le rôle du PMO aussi, c'est d'aller dans toutes les stations. Dès qu'il y a un truc qui se passe dans une station-service sur l'autoroute, c'est le PMO qui intervient, les gars. Sachez-le. Est-ce qu'on peut rentrer, là, d'ailleurs? On va se garer là, les gars. On va faire une petite ronde. On va aller vérifier les attestations, là. Ah, on peut pas rentrer, là. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Est-ce que vous avez votre attestation de déplacement, madame? Petit contrôle, là. Allez, faites voir vos papiers, s'il vous plaît. Oh, attendez, attendez, vous avez de la chance, parce que... Attendez, on est une inter, les gars, on est une inter. Vous avez de la chance, madame. Parce qu'à mon avis, elle n'avait pas sa... Ok, attendez. Montez, les gars, montez! Montez, dépêchez-vous, on a une intervention, là. Ok. On reviendra, madame. Bougez pas. Pourquoi il m'avait dit de faire demi-tour, là, le bazar, alors que c'est juste là. Fallait juste aller tout droit. Attendez, c'est une course-poursuite, c'est quoi, ça? C'est un véhicule en mouvement. Poussez-vous! Ouais, poussez-vous, là, parce que moi, j'en mange, là. Là, je peux vous dire que la Mégane, elle en a sous le capot, celle-là. Allez, on se pousse, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un véhicule qui a fait un refus d'obtempérer, les gars. Oh, attendez, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, défonce tout le monde! Hé! Arrêtez-vous, monsieur, c'est la gendarmerie, là. Rangez-vous sur le côté. Rangez-vous sur le côté, monsieur, c'est la gendarmerie, là. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il a piqué, lui? Attendez, je veux pas qu'il me perque. On va le forcer à sortir. Ok, il est sorti. Toi, mon pote. Aïe. Requiesque. On va requiesque des renforts. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a volé un camion? Ah ouais, mais ils m'ont foutu des hers, mais ils m'ont foutu... Ils me l'ont foutu à 10 km, les hers, là. Arrêtez-vous, monsieur, c'est la gendarmerie, là. Rangez-vous sur le côté, dépêchez-vous. Dernière sommation, rangez-vous sur le côté, sinon on va faire usage de la force. Tu veux pas? Si, tu t'arrêtes. Et arrête-toi. Arrête-toi. Patrick, sors ton arme. Braque-le, Patrick. Sors ton arme, fais-lui peur, fais quelque chose, là. Oh, on a percuté. Il nous a on va le forcer à sortir. Oh, mince. Mais il fout l'air, de l'autre côté, regarde. C'est la police municipale. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour, les gars. Oh, bordel. Il a fait demi-tour. On va bloquer. En plus, là, les gars, je suis dans le secteur police, donc... Bah oui, c'est des policiers qui interviennent, là. Faut le ramener chez nous. Faut le ramener dans notre secteur. Ok, c'est bon, il va se prendre le barrage. Bordel, mais arrête-toi. Mais il me défonce toute ma caisse. Arrêtez-le, les gars, vous êtes devant, là. Arrêtez-le. Oh là là. Ok.
on est à ses fesses. Wow. Ok, je vais le forcer à percuter un truc là. Faut y crever les pneus là, les gars. Ouh les gars, là ça part en course poursuite. Course poursuite à 2 à l'heure. Une course poursuite à 2 à l'heure, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, il nous fait tourner en bourrique. Je sais pas où il nous emmène, les gars, lui, mais il nous y emmène, en tout cas. Ok, je vais demander un barrage, là. Là, faut un barrage, les gars. Vous pouvez pas vous tromper, là, sur la localisation. Voilà, c'est bien. Ok. Allez, arrêtez-vous, monsieur. Ok, il s'est pris les hers. Toi, maintenant, tu vas t'arrêter, maintenant, ok. Arrête-toi. Je vais le braquer. Patrick, sors ton arme, là. Braque-le. Fais-lui peur, là. Faut surtout pas qu'il entre sur l'autoroute, les gars. On ouvre le feu, là. Bordel. Là, fallait pas qu'il rentre sur l'autoroute. Il va foutre le bordel. Je vous laisse là, les gars. Il va s'arrêter, de toute façon. Il est où? Sors de là, les mains en l'air. Sors de là, les mains en évidence. Au sol, mets-toi au sol. Dépêche-toi. Fais pas... Mets-toi au sol, dépêche-toi. Dépêche-toi. Robert, mets-lui les menottes. C'est quoi cette tenue, Robert, là? T'étais devant ton canapé, là, ou quoi? Ok, toi, mon pote. Viens là, viens avec moi. Viens ici, là. Attendez, non, vous allez me l'emmener. Qu'est-ce qu'il fait habillé comme ça, lui? Ah, il va nous buter, lui. Brigitte, tu me l'emmènes? Ok. On bloque l'autoroute. Allez, hop, on bloque l'autoroute. On stoppe tout le trafic, là. Elle est où, ma caisse, là? Parce que là, faut rétablir la circulation, là. Ok. Allez, hop, hop, voilà. Allez, hop. On rétablit la circule. On va faire vite. Son camion, lui, on va essayer de le ranger sur le côté. On va le mettre là, voilà. On va le mettre ici. Ah ouais, mais il roule plus. Ouais, bah, il y a les pneus de crever. Bon, bah, allez-y. Les gars, je remets la circule. Attendez. Wow. Pas si vite. Wow. Doucement quand même. Mon véhicule, il y en a un qui le touche, les gars. Je vous monte en l'air. Attendez. Par contre, moi, ce que je veux, c'est de... Je vais fouiller le véhicule, là. Parce que c'est bizarre qu'il soit pas arrêté, les gars. Qu'est-ce qu'il avait là-dedans? C'est vide. Il y a deux caisses. Qu'est-ce qu'il y avait dans les caisses? Ah, il y avait des silencieux de pistolet, d'accord, ok. Du gel hydroalcoolique, ça c'est très important pour les gestes barrières, les gars. Très important, les gestes barrières. Continuez à respecter les gestes barrières, les gars. Très important, si vous voulez qu'on s'en sorte rapidement, là, de cette épidémie. N'oubliez pas les gestes barrières. Bref, il n'y avait rien d'intéressant à part du trafic d'armes. Ok, bon, bah, je comprends mieux pourquoi... Il voulait pas s'arrêter. Bon, allez, nous, les gars, on est reparti. Hein. Encore une affaire de résolu. Par contre, on va se rapprocher un peu de chez nous, là. Parce que là, ouais, on est arrivé, là. Ok, bon, bah, on va... C'est tout droit ou pas? Ok, c'est tout droit. Oh, attendez, lui. Oh là, bah lui, mon pote, il est passé plein de balles, lui. Lui, il est passé plein de balles. C'est lui? Ok, lui, on interpelle. Ok, refus d'obtempérer, les gars. Refus d'obtempérer. Ça part en course-poursuite, encore une fois. Monsieur, arrêtez-vous. Ou madame, je sais pas. Arrête-toi. Tu nous as vus, hein. Tu nous as vus. Fais pas genre que tu nous as pas vus, là. Il y a la gendarmerie. Je te demande de t'arrêter. Tu veux pas? Ok, très bien. Tu veux pas t'arrêter, ma petite? Ok, c'est pas de souci. Pas de soucis, il y a Patrick qui est là avec les hers, voilà, elle se les est prise. Et la course est finie, et voilà. Allez hop, tout le monde descend.
Eh oui, oh, c'est un gars de gang. C'est un gars de gang, les gars. Faites gaffe. Patrick, je t'appuie, Patrick. Oh non, ça a bugué. Bon, bah, on n'aura pas la fin de l'inter, les gars, parce que ça crash encore une fois. Ça crash à chaque vidéo, fin de vidéo, les gars, ça crash. Bon, bah, tant pis. On verra pas la fin de l'inter, les gars. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, là. Vous êtes les boss, les petits potes. Si vous n'avez pas mis votre petit pouce bleu, bah, je vous invite à le mettre, les gars. À vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu ou pas. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !